Oh oui bébé, vite, il te reste quelques secondes, vite. J'ai 4 HP, rase-moi tout de suite. Oh oui bébé. Et bien bonjour à tous les amis, c'est GX. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où est-ce qu'on va jouer à Fortnite avec une souris fake. Donc c'est à dire que c'est une contrefaçon Razer. Preuve à l'appui les amis, juste je l'ai acheté sur Wish à 13$. 13$ c'est vraiment que dalle pour du Razer. Et en fait je me suis dit, il y a un truc, il y a une couille tu vois, il y a une couille et j'aimerais bien voir ce que c'est tu vois. Et en fait c'est qu'ils ont remplacé le capteur à l'intérieur par un truc qui coûte 100 fois moins cher, semblable aux capteurs qui sont dans les souris à 1€. Vraiment du truc très très bas de gamme. Et effectivement quand on fait des gros moves avec la souris, on peut voir que ça bug, comme avec toutes les souris Wish. Je vous mettrai le lien dans la description si j'y pense. C'est vraiment pour le fun, hein. C'est vraiment pas pour acheter quelque chose. Je vous mettrai le faux et la vraie, je pense. Comme ça, au moins, ça sera clair dans votre tête. Si vous voulez acheter la vraie, bah achetez-la. Si vous voulez acheter la fausse, bah faites ce que vous voulez. C'est votre porte-monnaie, les mecs. En tout cas, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est une vidéo où est-ce qu'on va tester tout simplement la petite souris sur Fortnite. Voir si bah elle convient bien ou pas. En tout cas, ce sont les mêmes clics. Mais le capteur c'est pas du tout la même chose. Donc ça va être cool parce qu'il y a deux boutons ici. Là je pourrais poser des escaliers et tout, donc ça va être super cool. En tout cas voilà, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas déjà fait, car je compte vraiment refaire ce genre de vidéo test avec des souris. Vous allez faire des comparer des souris un petit peu, des vrais, des fausses, des trucs what the fuck et tout. Donc voilà, si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes tous les bienvenus sur ma chaîne YouTube. On rush les 100 000 abonnés, donc franchement si vous êtes pas déjà abonné, faites-le maintenant. Regardez juste en dessous de la vidéo, voir si c'est pas déjà fait. Pensez-y, c'est super important. Et merci infiniment à tous ceux qui le feront. En tout cas, on va mettre la souris en place, on va enlever la G502 que j'utilise d'habitude pour mettre tout simplement la Razer Desader version Overwatch de chez Wish, tout simplement. On va mettre le fil là et on va tout simplement la brancher pour pouvoir jouer sur Fortnite avec Zufo alias Aropi. A savoir que la vidéo a très très bien marché, de la souris à 1€ sur Fortnite, donc je me suis dit pourquoi pas en refaire si vous aimez bien. Et bah écoutez, on va le faire. Mais après voilà, si vous avez des petits défis et tout à me proposer, n'hésitez vraiment pas, les commentaires sont faits pour ça. Et voilà, je regarde tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à partager votre avis sur la vidéo en commentaire. Sachez que je prendrai tout en compte. Donc voilà, ok, on va placer ça, on va remettre le clavier comme il était. Et puis on va commencer tout simplement à jouer les amis. Donc voilà, le clavier qui est un petit peu dégueulasse. Oula. Bref, donc on se retrouve en jeu avec Aropi, alias Zufo. Donc voilà. Allô, bonjour à tous les amis, c'est GX. On va brancher la petite souris. Bah alors c'est ton rack, espèce de connard. Hop là, on l'a branché. Bon, ouais, c'est Chroma, en fait c'est Chroma. Donc voilà, je pense que là, vous avez une bonne vision. Bon allez, rejoins mon groupe, connard. Attends, je suis en train de tester la souris là, vite fait. D'accord, mais rejoins connard. Thierry, je peux pas jouer là, je suis en train de faire un truc avec un ami là. C'est pas moi Thierry. De faire une vidéo YouTube, je peux pas. Mais je m'appelle pas Thierry. Non, tu peux pas, je suis désolé. Je m'appelle pas Thierry mec. Non mais je parle genre en fait, tu vois, j'ai un pote. Ouais, non, c'est compliqué. Bah putain, l'histoire elle démarre mal. Déjà, nous commençons sur une mauvaise base. Mensonge, c'est un mensonge, ça va pas t'aider mon con. Faut appeler un chat monsieur. Parle un coup. Et parle! Voilà, j'ai mis mes paramètres pour pouvoir build comme un pro. Et c'est parti! Bon, écoute-moi, petit chien de merde, enculé de petit chien. Je réponds à l'ordre, chef. On va commencer à record. Oh, oh mec. Ok, gros, je vais t'envoyer un tweet, mec, je t'en supplie, regarde-le. Mets Joe et on joue, mec. Ok, mais regarde le tweet d'abord et tu vas me dire ce que c'est. Oh, vas-y, casse-toi, je l'ai déjà vu. Je l'ai déjà vu, enculé, j'ai même commenté, c'était pas un. C'est quoi alors? Ok, il fait quoi avec la perceuse? Bon allez, ta gueule. Non mais mec, vraiment c'était pas drôle, je dois aller bouffer mec, et franchement. En fait, genre j'ai toujours pas compris que c'était le personnage dans les sacs à dos qui gueulait. Et du coup bah moi je savais pas pourquoi ça gueulait, tu vois, quand les gens sautaient du bus. Et en fait j'ai compris que c'était le petit personnage qui gueulait. En vrai mec, j'aimerais bien y mettre des claques là, parce qu'il fait trop le mec. Oh là frère, oh là. Oh là. Oh là, oh là. T'es gueule. Ouais, je vais mourir. Ouais, je vais mourir, chef. Oh là. Aide-moi. Mais j'ai pas d'armes, y'a un... Et ta gueule, aide-moi. Bah non. Voilà, tu m'aides pas. Allah. Et donne-moi des balles de pompe. Mais j'ai... Bah, je sais pas, des mots... Qu'est-ce qu'il doit savoir? Qu'est-ce que je dois savoir? Rien du tout. Regarde comme si t'as des balles. J'ai que ma bite et mon couteau. Oh putain, j'ai pas mis pour construire ce que c'était. Putain.
Mais moi je peux rien faire. Il me rush hein. Là j'arrive, là je débague. Recule plus. Tu vas mourir, tu vas remettre la faute sur moi. Je peux pas courir, tête de mort va. Il courait plus vite que moi. Putain mais mec. Allez crève, claque, allez claque. Claque, mais claque mon gars. 10 balles Paypal. Mais claque. 10 balles Paypal le 9. Mais du coup ça veut dire que tu vas faire ta game comme si t'étais au barbecue chez ton père. Putain lui il a une gueule de scooter mon gars. On refait Dusty. En vrai du coup il y a une bonne prise en main mais sinon mec la sensibilité et tout c'est nul à chier sur ma souris là. Et toi genre c'est de la merde. C'est de la merde ou il y a un truc qui est bien? Hein? Oh je peux pointer. Allô? Ouais mais je suis là espèce de connard là. Ta souris elle est comment? Et une Logitech. À 1€. Je vais sortir en 2. C'est bon. Ouais t'es sérieux mec? Tu crois vraiment qu'avec une souris à 1€ j'ai qu'il y a des noscopes petit con là. Ah eh, franchement tu m'as bien aidé mec. Mais tu fais quoi derrière? Tu m'as donné aucune info. Il me rush. Ah ouais. Lourd. Une espèce de connard. Oh, mais j'en connais des connards mais là c'est toute catégorie. Oh toi t'as aucune excuse sale saucisse, t'as une souris normale. Je vais t'expliquer ce qui se passe, genre t'as ta tête de saucisse. C'est-à-dire que t'es un être humain, t'es une saucisse. Tu devrais avoir honte. T'es pas un humain, t'es un connard. Genre en fait t'es tellement imbécile que rien te chagrine en fait et du coup t'es heureux. Tu vois, tu remets en question rien du tout et ça fait que t'es heureux. Je vois pas le rapport. Parce que t'es un imbécile, t'es un imbécile heureux. En fait t'es un imbécile qui est heureux. Tu vois pas que t'es un imbécile heureux. T'étais un connard. Arrête ça. T'as 3 secondes pour arrêter. 3, 2, 1. Alors toi. Vous êtes un imbécile heureux et fier d'être heureux et imbécile en même temps. Vous savez pas trop que vous êtes imbécile. Non, je peux pas éditer. Non. Non. Oh merde. Oh non, mais mec. Eh, franchement, mec, hein. Fresh meul, je sais pas ce qui peut m'arrêter. Quitte, c'est bon. Ok. Et tu sais quoi, je vais quitter. Tout de suite, t'as 3 secondes, 3. Par contre, tu mets pas 2. De pression comme ça alors que t'as fait que 3. De la merde dès le début. Ça prendra, petit con, va. Ouais, y'a pas de kill cam. Oh, putain. Ah, c'est des menteurs, ils disent qu'il y a 10 000 DPI de précision alors qu'il y en a que 1000. Se sent que c'est pas du rasoir, ça fait pas ce bruit là. C'est creux, c'est vide, y'a rien. Comme dans ta tête, t'as une saucisse. Raisard. Tu t'es fait poison? Non, ah putain. Je me suis chié dessus, c'est pour ça que ça pue. Ouh. Pas ah ah. Au pied de moi. Ah ouais non mec, on est dans la merde vraiment. On court. On court. Y'a un connard. Ah merde, là voilà, je vais vraiment claquer. Oh, claqué. Oh. Trop fort. Tout en bas, tout en ah bas. Ah non, y'en a un. Oh mais... Le mec. T'as bien fait cliquer sur cette vidéo, allez. Ouais, il dit en quoi aussi? Il dit quoi? Hein, avec leur petit rentrée quotidien. Soit tu finis riche, soit tu finis gilet jaune. À toi de choisir. Moi, bon, je suis dans ma féfé. Je vais devoir te bloquer un certain. Bon, vas-y, prends-la ta truc de merde là. Où ça? Nanana. Je suis le lutin magnifique. Je sens drôle mec. Tu pleures ou tu rigoles? Je suis mitigé, c'est ça? Des deux. Un peu des deux. Non vraiment s'il te plaît, j'ai vraiment besoin là. Smile et larmes au bas gauche droite. Smile et larmes au bas gauche droite. Hop. Ah. Je sais pas comment tu fais pour avoir une 9 hein. Parce que déjà que moi j'y arrive pas alors elle a 24. Moi aussi wow. Parce qu'en fait genre tu vois genre elle me dit non mais en fait t'es beau. Mais tu vois je regarde et je fais putain mais quand même elle me trouve beau. Mais en fait c'est super ça me trouve beau alors que moi je me trouve moche. En mode j'ai pas trop de trucs à me poser comme question en mode. Là. Mais ta gueule. Ça m'intéresse pas espèce de connard. En fait c'était qui? C'était Macron. Et Castaner et toute sa team là. Bah il me trompe pas pognon c'est des trucs comme ça. Espèce de fils de pute. Pourquoi t'es tout en bas?
Parce que le fil de ma souris était trop petite. Dans ta gueule. Je t'ai dit qu'il y avait des gars, tu dis « Oh non, non, franchement, je suis mort. Oh, franchement, j'ai un business pour toi, c'est un cœur. » Mais ferme ta gueule. Je m'en bats les couilles de ta vie de merde, tu comprends, espèce d'enculé. Hein. Et toi, cette vie, c'est pas de la merde, tu vas espèce dire. Espèce d'enculé. On perd patience, là. Hey. On perd patience, espèce d'enculé. Oh. D'accord. Oh. Non, mais écoutez maintenant, une sale f***. Oh. T'as eu peur, hein. Non, c'était marrant, c'était... Tu te trouves, eh. C'est... Tu veux que j'y joue aussi Froufrou Pilou Pilou Froufrou Pilou Pilou Froufrou Pilou Pilou. Enfin une devinette, si t'arrives à la devinette, ta chaîne sera dans la description. En première ligne. Je suis un marin, pas très honnête, et j'ai un chien. Qui suis-je? Je suis un marin pas très honnête. Et j'ai un chien. Attends, tu peux répéter? Je suis un marin, pas très honnête. Et j'ai aussi un chien. Qui suis-je? JMG? Il a trouvé, il a... Allez, bam, bam, bam. Oh, petit œuf, qu'est-ce que tu fais? Encule ta mère, petit œuf. Oh, bah, c'est déjà fait, je fais quoi maintenant? Je vais fermer ta gueule. Attends, t'es en train de me dire que toi, là... Au début du rec, franchement, c'était chill tout ça. Attends, y'a des mecs. Attends, ferme ta... Boum. Bon monsieur. Oh. Ok, il est où le mec? En face, c'est un buisson. Ah, c'est un buisson. Oh, oh mon dieu. Ta gueule et viens me raise. Ok, alors tu dois lâcher un petit cri assez fort. Oh non, allez, un cri fort. Fais... Oh, oh bébère. Je... Attends. Oh. Oh, oh. Non, arrête ça, escroc. Tu cries. Oh oui, bébère. Et j'appuie sur eux. Je dois faire, moi je suis honnête. Fais... Oh oui, bébère. Vite, il te reste quelques secondes, vite. J'ai 4 HP. Rase-moi tout de suite. Oh oui, bébère. Mais faut la dire, oh oui, bébère. Mais mec. Arrête tout seul. Il fallait dire oh oui bébère, il l'a pas dit. Il a jamais été très net cet enfant. Ok parfait. Son pote. Ok, non, il va le réanimer, ok. Ils ont pas l'air trop forts. Parfait, oh là là, oh la chance. Bon, en tout cas voilà les mecs, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. J'ai essayé de bien jouer avec cette souris malgré qu'elle soit un petit peu médiocre. Au niveau de la sensibilité, quand on donne un trop gros coup, bah ça met un gros ralenti, c'est trop bizarre. Et en tout cas voilà, je la conseille pas bien sûr évidemment, étant donné que bah c'est le capteur à l'intérieur il vaut vraiment pas 10 000 dpi, je sais pas combien il vaut. Mais c'est vraiment pas ça, c'est vraiment de la merde, il y a un décalage et tout, c'est horrible. Mais sinon la prise en main, bah elle est parfaite comme une Razer en fait, c'est très spécial mais voilà. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait, c'est très important, faites-le maintenant. En tout cas, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était GX, sur ce je vous dis à plus. Voilà, et bah comme la vidéo est finie, tu peux retrouver deux vidéos à moi à droite et à gauche, et surtout au milieu tu peux cliquer et t'abonner directement via le petit rond avec ma tête.